Now watch me, nay nay. Okay. Now watch me whip, whip. Watch me, nay nay. Why me do now it? Now watch me whip, kill it. Watch me, nay nay. Okay. Now watch me whip, whip. Watch me, nay nay. Can you do now it? Now watch me, ooh, watch yeah. me, watch me. Ça va? Mais ça va, et toi? Ça va bien. Mmh. Tu fais quoi? Y a rien, je suis là, j'attends bien. Je te donne ce soir. Ah, merci. Ça va? Ouais, ça va, et toi? Ça va? Ciao. Ciao. Tu pars où? Au revoir. À tout à l'heure. Je vais avec mes copains, on va jouer. Alors, avec Diamantine, ça se passe bien? Bah ouais, comme d'habitude. Hein. Ah, ok. Ça va. Bah ça va, c'est bien pour moi. Ça se passe pas bien. Oh, on n'a pas encore elle, c'est pas vrai. Quoi, tu as un problème? Oui, j'ai un problème. T'es toujours contre mes affaires qui te regardent pas en fait. Quoi? Oh, pas toi, je parle à elle, ok? Mais c'est comme si tu parles pas à toi, je parle à elle. De quoi tu te mêles? Si tu parles à elle, c'est comme si tu non, mais je parle à elle. Et alors, voilà. Ça va avec Diamal? Ouais. Et pourquoi tu es jalouse? Non, je suis pas jalouse. Ta petite. Tu la parles bien. Chihuahua, tu. C'est pas un chihuahua. Allez, allez, Sophia, on y va. Allez, ciao. Oh, elle me saoule. Elle est comme ça. Oh, mais. Malgré tout ça, je joue bien dans l'équipe. C'est pas ça. Ouais. Elle reste toujours quand même là. Ouais, voilà. Bref. Bon, on y va? Ouais, on y va. Ça vous dit? Puisque nos élèves de 5e SECPA vont participer à un match ou un tournoi de foot, et donc ils ont créé une équipe qu'ils ont appelée le FC Dumas, et ils sont venus au CDI pour me demander si j'avais des ouvrages sur le foot. Alors, je leur ai fait une petite sélection. Ça peut les aider, je pense, à acquérir les bons gestes, les bonnes techniques. En tout cas, je l'espère, puisque bah, je vais être à fond derrière eux. Non, retard, la prochaine fois, je t'accompagne. Ah, encore bien. Non, parce qu'il y a des embouteillages. Ils sont foutés de chez toi. Il y a des embouteillages, c'est pas de ma faute. Il fallait m'appeler. Il fallait m'appeler comme ça. 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 Alors le jour où ils vont jouer leur match, ben, je serai sur le bord du stade et puis je les encouragerai. Je n'irai pas jusqu'à faire la pom-pom girl, mais peut-être que je ferai une bande de rôle et je crierai Allez Dumas, Allez FC Dumas. Merci, ça va? Ça va bien? Ça va bien? Ouais, toi? Ça va, pas tranquille. Ouais. Qu'est-ce que tu racontes de beau? Rien, rien. Je suis en train de penser si vous avez... Vous êtes entraînée un peu pour le match de Dumas. Non, t'inquiète, je me suis entraînée le week-end. Je stresse un peu. Hein. Non, moi. J'ai appris ça en grave. Bonjour les filles. Salut, vous allez bien? Ouais, ouais, salut. Alors, vous êtes entraînée? Ouais, bien sûr. Et toi? Ah, je suis entraînée avec mon frère. Ah, mais ça va, c'est bien. Et je roule les garçons. Ah, le volet, ils sont là en plus. Salut. Bonjour les garçons. Ça va bien? Ça va? Ouais, très bien. Il est où, Diamadi? Il est en retard, il a raté le bus. Tout seul, il est toujours en retard, lui. Pourtant, c'est pas comme s'il habitait loin. Ouais. Comme d'habitude, ouais, quoi. Ça a sonné. Mais bah, de toute façon, on doit aller en plus. Ça a sonné? Ouais, c'est vrai. Oh, Raphaël! Ouais? T'as pas vu les filles? Je sais pas. Cours, là. On est en retard. On est en retard. Ça va? Oui. Entrez! Excusez-moi, madame, je suis en retard. Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis en train de chercher les autres. Va vite t'asseoir. Allez, dépêche-toi. Allez, prends ton cahier. Je m'as dit sur tes affaires. Fais un truc. Je m'as dit, encore en retard. Et voilà, demain, la finale, il va arriver en retard celui-là. C'est pas possible! 14h la finale, tu comptes arriver à quelle heure? 15h? Jamadine, sans toi, on est foutu! Bon, les enfants, écoutez-moi, je me suis calmée. Demain, vous êtes en finale. Oui. Surtout, n'oubliez pas, une finale, ça se fait bien. Madame, vous inquiétez pas, on va gagner pour vous. Ah, ça, c'est bien. C'est bien, Samra. Je compte sur vous, vraiment. D'accord, oui, madame. À demain. À demain, madame. Au revoir. À demain. Au revoir. Tu crois que tu vas perdre? Non, oh, lol, tu crois que je vais perdre, moi? On verra demain. Ah, bah, d'accord. Bonne chance. Merci. Bon, Samra, vraiment qu'on se concentre, parce que demain, c'est la finale et il faut qu'on oublie tout ce qui s'est passé quand même, parce que là, c'est un peu chaud. En plus, Madame Massa, vraiment, elle compte sur nous. Et voilà. En plus, hier, dès qu'on est sortis, j'ai rêvé que... En fait, on avait joué,
Mais je crois qu'on allait gagner alors qu'on en a perdu. Et je commence à me faire trop de films, j'ai peur, je stresse. Puis la directrice, elle m'a dit faut pas qu'on perde, faut qu'on gagne. Et ça me monte la boule et je sais pas, j'arrive pas à réaliser comme qu'on a perdu. J'arrive pas. Mais t'inquiète, tout va bien se passer. Là, demain, c'est la finale, il faut qu'on se concentre. Pas t'entraîner ce soir et il faut qu'on le dise à tout le monde aussi. Mm. Bon, après, c'est moi, je peux te dire un truc. Mm. Après tout ce qui s'est passé avant et maintenant et tout, on peut oublier, non? Non. Ok. Ben moi, cette équipe du FC Dumas, c'est au-delà de la relation entraîneur-joueur, c'est surtout mes petits à moi, comme je les appelle. Et cette finale, c'est quelque part un aboutissement de plusieurs semaines de travail, avec des hauts, avec des bas, inhérent à leur âge, hein, avec les disputes qu'il peut avoir de temps en temps, et la réconciliation derrière, heureusement. Et j'espère surtout finir en apothéose. Vous avez été super jusque-là et arrivé en finale, vous lâchez tout? Oui, on sait, mais... On joue pas ensemble? On se dispute sur le terrain? Il n'y a pas de solidarité entre nous? On a fait tous ces efforts pour rien? Moi, je veux continuer à être fier de vous, les gars. Oui. Donc là, c'est la mi-temps. C'est que la moitié du match. Ouais. On n'a pas encore perdu. Oui. Et on va gagner ensemble. Okay. Est-ce que c'est clair? Oui. Vous êtes avec moi? Oui. Plus fort? Oui. Allez, on y va. Avant, tu habitais où? À Mayotte. Tu es né où? Bah, Mayotte, Dende. En Samna, j'avais pas trop compris. J'ai cru que c'était dans un collège. Et ça passait quoi? Dans un temps, je fais le bordel. Et t'as pas de mots? Si. Non, pas. Jeune du buffet. T'es déjà été en retard? Non. Ou puni? Non. T'es exclu? Non. J'ai déjà fait crier dessus? Non. T'as déjà fait des bêtises? Non. J'aimerais parler des sécoires et des gens pauvres et des gens qui n'ont pas de famille, vivent dehors. J'aimerais parler aussi des gens qui viennent juste de venir, qui habitent au foyer. Est-ce que ça te manque ton pays ou pas? Oui, un peu. Et tu voudrais pas y retourner? Oui, ben, dès que la guerre finit. J'ai du mal à accepter venir en France parce que j'avais des amis, j'avais des cousins. Et là, je suis venue à Marseille, j'ai pas mes cousins et tout. Mais j'ai des amis pour me réconforter. Et si, par exemple, un jour, on te dit que tu vas quitter ce collège, tu vas être comment? Je vais être énervée, je serais dégoûtée, je serais mal. Pourquoi? Parce que
parce que j'ai les meilleurs amis qu'on doit avoir. Donc je compte sur vous, gagnez-moi ce match et appelez-moi ou envoyez-moi un texto pour me dire que vous l'avez gagné. Bise, à la prochaine. Ça va? Essaye de le bouger. T'arrives à le bouger? Non, ça me fait mal. D'accord, bon. Ça va aller mieux? Écoute, je sais pas, ça là, va, elle a du mal à poser le pied, donc... On fait comment, nous? J'ai vraiment mal. On va galérer, par contre.